versus DRG, troisième quart de finale, BO5, Chocor est contre Shinterhan contre Zerg, vous avez toutes les infos. Chocor contre Shinterhan quoi? Ah, Shinkore, oui, Terran versus Zerg. En fait, Shin, j'ai pensé Shinto, c'était quoi, mais qu'est-ce qu'il... Il a pas un gros menton, Time? Rien à voir, en effet. Hop là. Sur un H-Gaspool, du coup, pour les ouvertures des Zostelletai du côté de DRG. Ils en parlent un petit peu sur l'analyse desk du coup anglophone, en disant notamment que Time avait fait beaucoup de Hellbat Push et que DRG restait très concentré sur Mutalink's Bane, sur son style de jeu de TVZ. Donc on va voir si c'est avéré ou si ces analystes anglophones sont complètement rincés, mais ça sera intéressant parce que ça serait finalement. Des styles de jeu un peu old school et surtout plutôt plaisant globalement, même si bon les Hellbat Push est toujours ce côté c'est toujours décevant quoi. Ça fait toujours moins de dégâts que ce à quoi on s'attend. Hop là, mais en fait j'ai mon Discord qui dépasse sur l'écran là. Oh dis donc. Excusez-moi pour ça. On va voir les petits DM avec les ouzes quoi. Toutes mes confuses, excusez-moi. Les petits potes. Alright. Un petit 1-1-1 des familles pour le moment de la part de Time, Reaper Expand puis Factory, réacteur à terme, troisième hatch qui va être positionné de la part de DRG mais qui ne sera pas intercepté, pourtant le Reaper avait peut-être le temps d'aller chercher les emmerdes. Et pour l'instant, on va se contenter d'un opening sans trop de dégâts infligés pour le moment à Time. Peut-être le Gling, non, il ne l'aura pas. Attends, mais moi ça lagouille ce clean feed de ces morts là. Ah bon? T'es à combien là? De 13 et surtout c'est figé quoi. Attends, je vais essayer de le refresh. Bah, refresh le clean feed, sinon je te le share. Hein. Ouais, non, bah je vais tenter le refresh. Refresh frère. 2,55? 56? 57? Ouais, t'es un peu en retard, t'as 2 secondes de retard. Mais what the fuck, j'ai mass lag. Je vais tenter de relancer complètement VLC. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça marchait parfaitement bien. Allez, 2, 15, 16, 17, pardon, 3, 18, 19, 20. Ouais, bon, la date a une seconde de retard, mais c'est ça, grosso modo. Ok. Sinon, je te les share si jamais tu souhaites un truc plus clean. Si jamais le truc pose problème. En tout cas, Elion Reaper, into Liberator de la part de Time. J'ai pas prêté attention s'il avait fait glisser un Viking d'abord, mais au vu du fait qu'il n'y a que deux Elions sur la carte, je pense que c'est la première unité de la Starport. Donc pas de Viking, ce qui veut dire que DRG, s'il était un peu plus constant sur sa tentative de scouting, pourrait avoir l'information. Ouh, Maraudeur aussi glissé avec un Tech Lab et un obus incapacitant. Ça commence à ressembler à un gros timing push Hellbat cette histoire. Mm-hmm. Gros push Hellbat, un petit peu comme annoncé finalement. Hellbat Maraudeur. Et petit libérateur de la sauce, bien sûr, pour ajouter du piquant à ce go. Ça peut être assez intéressant. Ça peut effectivement permettre de notamment mettre très 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 cher au Queen et permettre derrière aux Maraudeurs et aux Hellbat de faire leur office contre ces dernières. Et même en soi, là, il va y avoir une très bonne synergie entre les zones de libération et le Concussive Shell, ralentissant les unités pour peut-être quelques tirs un peu tricheurs où le Libérateur va tirer un petit peu en dehors de sa zone de libération. Mais ça sera suffisant en joli main game ici. On tente de faire croire qu'on va s'arrêter sur la production de Elion, mais pas du tout. On repositionne la Factory après l'avoir levé sous les yeux de l'Overlord et on va bel et bien continuer sur les petites voiturettes infernales. Est-ce qu'il est prêt à recevoir cette agression? L'armurerie n'est pas terminée, il voit beaucoup de Elion, l'information commence à être prise de la part de DRG qui sent le danger potentiel et qui balance un petit Baneling Nest ainsi que 10 Zerglings supplémentaires. On va pouvoir révéler les maraudeurs d'ici quelques instants, mais il y a déjà 6 queens, est-ce que vraiment ça peut faire le taf? Le but des maraudeurs étant de ralentir les queens, leur empêchant par là même du coup de micro-contrôler Hellbat. Pour l'instant, le Medivac est très bien positionné et inaccessible aux queens, ce qui veut dire qu'aucune des unités ne meurt, le bon pick-up qui est intelligemment fait, le Libérator qui revient dans la fight de manière un peu random, alors voilà, il faut siéger cette ligne de minerai. Libérator qui n'est qu'à un shot hein, de mourir, au final ce Libérator qui n'apportera pas beaucoup plus que un drone et 2 larves. Et je pense qu'on n'est pas très content du dégât infligé. C'est correct, mais ça aurait pu faire mieux. Je dirais que c'est un peu le truc de base sur le Hellbat Push en fait. Hein. Il est toujours. Ouais, c'est ça. J'aurais pu gagner avec ce truc. Ouais, en fait, c'était un peu naze, mais j'aurais pu faire un peu plus de dégâts. C'est toujours un peu étrange. Comme je disais à l'entre-game, hein, les push Hellbat, c'est
toujours un peu décevant, tu vois. C'est jamais aussi bien que ce à quoi on s'attend quand on voit le Go partir et qu'on se dit ah oui, quand même, il y a beaucoup. Les Zerg, mine de rien, gèrent ça très très bien derrière un style double chambre d'évolution et Zergling Bendling pour l'instant. Le tier 2 a beau s'être terminé, on n'a pas pour l'instant rajouté de Spire et on est que sur 4 gaz, donc ça serait un peu ricrac de faire et des Bending et double upgrade et la Spire. On verra si des gaz sont ajoutés avec notamment la finition de la B4, on pourrait tout à fait l'envisager, mais il faudra avant ça gérer ce drop de Helion directement dans sa ligne de minerai B1 qui ne prend pour l'instant qu'un seul drone. C'est géré avec brio par ses deux queens. Ouais, c'est bien fait, il y avait la Spore aussi dans le secteur hein, qui a mis une pression sur le Medivac qui fait que Tai n'a pas tenté plus que prévu d'agression dans cette séquence, et du coup, eh bien, un mid-game qui se démarre sous des auspices plutôt positifs pour DRG, je dirais, qui a passé 68 drones, qui pose B4 et qui pose 9 drones de plus, se précipitant vers un petit total de 76-77 qui va le mettre très 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 bien pour commencer à faire travailler sa composition Ling Baneling Heavy Centrique. Alors qu'en plus, ce Zergling va obtenir toutes les informations qu'il y a à avoir, le nombre de racks et leur arrivée d'ailleurs un peu tardive, puisque les deux, les 4e racks et 5e racks n'ont pas encore leur réacteur. Ouais, ce qui fait que la production de Marine n'a pas encore vraiment commencé à kicker les papes, kicker les poapes. Ce qui pourrait permettre à DRG sur cette production importante de Bending à l'instant de prendre un avantage dans la prochaine fight. Hein. S'il dégraissait dès maintenant le compte de Marine alors que les moyens de production ne sont pas encore au max, ça serait forcément la sauce. D'ailleurs, une partie des Marines ne pourra pas être dégraissée par une attaque frontale puisqu'ils sont envoyés à l'offensive de l'autre côté de la map, potentiellement directement dans la ligne de minerai B4 avant leur 1-1, avant leur bouclier de combat. Ça n'a pas été vu par DRG et ce dernier lui-même est en train de déplacer ses unités pour défendre contre une attaque au sol de sa B4. Bon, deuxième facto rapide pour Tai Merino. On va voir ce qu'il décide de faire avec le plus 1 d'attaque range. Je pense qu'on se dirige vers un play double facto tank. Ce qui n'est pas pour me déplaire, étant un homme de la tankiness plus que des mines. Et leur shot parfois random, voire tout simplement traître dans les cibles qu'elles choisissent. Le creep est bon, hein. DRG mécaniquement, ouais. Qui est en train de faire une game solide. Même s'il n'est pas encore ultra clair, voilà ce qu'il allait proposer d'un point de vue technologique, ce sera finalement visiblement Ling Bane into Lurker hein, avec l'arrivée de cette fausse infestation et cette Hydralis Deng, pardon. Je me serais presque inquiété de voir un DRG repartir sur les folies de début d'année, hein, les Ling Bane into Ultra. Même si Berlingrad est relativement ouverte par le milieu, je pense que les attaques sur B3 ou B4, enfin B3 ou B5, en réalité la B4 est peut-être la plus vulnérable sur Berlingrad, mais. Sont assez difficiles à opérer avec les vachettes, alors que tous ces espaces, toutes ces hauteurs de milieu de terrain sont assez contrôlables avec des lurkers nettement plus intéressants. Ceci étant dit, on devra faire face à une production de triple, tank, même si c'est peut-être un réacteur pour Factory hein, qui est en cours de production, ce qui pourrait impliquer du coup mine et tank, une variante intéressante qui aide un petit peu à gérer les masses de Zergling et de Bendling. Voilà, les tanks ayant souvent des difficultés à tuer tous les Bendling avant qu'ils arrivent au contact, hein, même avec des bons focus fire, c'est très 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 souvent difficile de gérer un joueur qui n'a pas vraiment été gêné sur son économie et qui peut balancer des Bendling 24 par 24. Donc quelques mines qui certes peuvent s'avérer être traîtres, peuvent aussi s'avérer être salvatrices. Et ici c'est bel et bien les griffes foreuses, la production de mines qui va commencer du coup du côté du joueur chinois. Ouais, bah, je crois qu'il va jouer vraiment mine tank, hein, deux facto tech lab pour des tanks et la facto réacteur numéro 3 qui va produire des mines, qui va être utile défensivement comme offensivement, comme potentiellement en termes de harcèlement aussi avec un drop, même si je sais pas s'il aura vraiment le temps de mettre ça en place, tant DRG est en train de couvrir la map de creep et de se développer de manière assez intestable. Solo drop marine qui arrive par le sud et qui pour la première fois n'est pas vraiment anticipé, pas de queen dans le secteur, en tout cas pas les 3 queens de tout à l'heure hein, qui peuvent shutdown instantanément le medivac, ça va faire un peu de dégâts, sera suffisant je ne sais pas, une queen et deux drones et on va menacer la B1, non en fait on redrop directement sur cette B4 alors qu'un double drop part au nord, joli multitask de la part de Time qui propose des choses, qui ne se laisse pas endormir par le plan de jeu somme toute late game de DRG. Théma, t'as du taf qui a fait ce Hellbat. Hein. Là, ouais. Le Hellbat, il a absorbé quasiment 4 Bane à lui tout seul. Ça permet de tomber la hache. C'est excellent pour Time cette séquence là. DRG va être dans l'obligation d'aller produire quelque chose de l'autre côté de la map. Hein, parce que tu peux pas juste continuer de subir en fait les agressions de ton adversaire qui peut largement se contenter lui d'accumuler des unités très intéressantes que sont les tanks, les mines, les libérateurs, les ghosts et de te faire du dégât avec l'unité quasiment la moins intéressante de sa compo désormais qui sont les marines. Oui, ils ont des bonnes améliorations. Oui, les marines, c'est un peu la base de l'alimentation
Terran, mais c'est pour autant des unités que tu ne veux pas vraiment pour se battre contre les lurkers, l'engagement qui va finalement être pris, la ligne de temps qui a eu le temps de mettre des gros chants dans la population de son adversaire, mais on a quand même perdu énormément de SIV, la PF sur un massif à clic des Bane. Non mais... Ah, et ça c'est le potentiel. Sans Erling en reprod, hein, pour ceux qui se posent la question en parallèle. Sans Erling en reprod derrière pour remonter très rapidement vers un 200 de pop qui fait plaisir. Voilà, les 100 links sont là, on rajoute 3 Viper, on paye la technologie de T3. Puis c'est une manière de sacrifier, de trade sa pop avant de devoir transformer le grand compte de Zergling en Hydralisk pour aller chercher les potentiels lurkers, mais aussi libérer un peu de supply pour des vipères qui vont apporter beaucoup de choses contre une composition très tank heavy. Il y a une prise de décision du côté de chez Time de recevoir en fait le late game de DRG. Et quand l'adversaire a 95 drones et mine plus de 1200 de gaz par minute depuis quelques minutes, eh bien ce genre de moves peuvent exister. Et même avec du dégât de zone, même avec une armée en place, même avec une forteresse planétaire, je pense pas qu'on puisse dire que DRG ait pas été rentable sur ce move. Oh la vache, les connexions de Bane. Ouais, et encore, bon, ça. Sur la deuxième séquence, ça n'a pas été si fou, hein, mais le truc, c'est que là, il y a quasiment plus que des tanks. En fait, la Bio Ball, elle est réduite à peau de chagrin ici. On a quasiment rien. Les tanks vont finir par se remettre en place. Il y a encore des mines également qui se remettent en place. On repose des command centers, mais on ne prend pas vraiment de nouvelles bases. Alors que DRG, finalement, bah, il a pris la base tout au sud, il a pris sa base tout au nord et il est en train de tout contrôler avec du creep. Il peut se contenter de reproduire à l'infini. Et noter également, sauf erreur de ma part, l'absence de macro hatch, hein, en opposition à ce qu'on peut voir de la part de Tark par moment ou de ce qu'on a vu de la part de Solar contre Raynor. Pas de macro hatch, des injections du coup qui se doivent d'être excellente, et bon B7 bien sûr, mais aussi des injections, parce que c'est pas juste sur 21 larves que tu peux systématiquement refaire ton truc, tu vois, il y a aussi des bonnes grosses injections de ses morts qui sont envoyées en permanence, et ça lui permet d'avoir une pop qui arrive vague après vague à rester compétitive avec le Terran pourtant retranché chez lui. Ouais, on le disait hein, tout à l'heure, hein, mécaniquement assez gifted le bon DRG, le vieux DRG qui continue de montrer que mécaniquement il est un dieu. Alors ici on est remonté à 200 de pop avec une composition Hydraling Bane Viper, du coup on n'a pas de supply libre pour pouvoir faire des lurkers, ce qui est un peu dommage parce que j'aurais pu imaginer le même genre de vague avec 40 Baning tout à l'heure, mais ce coup-ci avec genre 20 lurkers en mode à clic derrière la PFB4 hashtag HF. Ouais, très bon abduct ici sur le Medivac qui permet de récupérer 10 de pop, et vraiment DRG pour l'instant qui n'en a rien à foutre, hein, qui fait pas de lurker, il refait du Ling, il refait du Bane et il travaille sur B7 avec du coup un compte de larves très 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 élevé et un time qui n'a pas le droit de poser B5, hein. Il va tenter de le faire au nord, mais c'est la première fois après 13 minutes 40 de jeu. Mm-hmm. Est-ce qu'on a vraiment encore un espoir dans cette game, ou est-ce qu'on va pas juste se retrouver face à une marée inarrêtable de Zerg du côté de chez Time? Le creep qui continue de s'étendre. On peut scanner pour voir qu'on a que ses yeux pour pleurer dans cette partie, alors que la population de DRG est très qualitative, des Zergling, des Bendling très améliorés, des Vipers en complément pour éventuellement aller pick-up. On estime que les fortifications cependant ici sont trop importantes pour vraiment passer en frontal. On va attendre la suite, on va attendre des objets supplémentaires, pourquoi pas attendre également des lurkers, hein. On a payé le lurker den tout à l'heure, ce fera de ma part. Mais on a fait les deux upgrades aussi, hein. Je crois qu'il au moins la range. Je suis à peu près certain qu'il a la range, je sais pas s'il a le fast bureau, mais je serais pas étonné qu'il ait fait les deux. Et ouais, non, j'ai l'impression qu'il la joue, on va la jouer pure Hydraling Bane, alors qu'en fait on est dans une situation où le lurker pourrait débloquer des phases de jeu plutôt favorables. On va y aller ici, mais du coup il n'y a pas de tentative particulière de dodger les mines qui du coup connectent très très fort. Les deux Viper après la première qui a réussi à faire un Blinding Cloud se sont retrouvés EMP et donc par conséquent sans énergie, sans support pour l'armée qu'elle accompagnait. Et ça, il y a les premiers lurkers sont faits. Il n'avait pas fait les griffes falciformes des lurkers. Du coup, il lui manque une upgrade. Et DRG qui commence à m'inquiéter un petit peu parce qu'on perd du terrain, mine de rien, sur cette carte. Et on a été incapable de refuser cette B5 à Time qui, pendant ce temps-là, lui compose une armée très quali, hein, face à ce que propose DRG, puisqu'on est sur un Tank, Ghost, Liberator, Mine. Que des unités qui sont tout à fait confort à l'idée de fighter contre ces fiefés lurkers, surtout avec un bon setup défensif, avec DPF au centre de la carte, mais aussi des toiles de détection qui se sont multipliées, qui donnent toute l'information sur ce quart nord-ouest. Mm-hmm. Le
Libérateur qui va faire un petit peu de taf contre les Hydralisques, les tanks qui mettent des gros shots également, soit une équipe sont paquets, mais l'Orbital qui meurt, toute la pop derrière l'Orbital qui meurt, les Bending Cloud qui arrivent un petit peu tard pour contribuer à quoi que ce soit dans cette fight là. On a quand même récupéré pas mal d'unités chères des deux côtés. Des deux côtés on a récupéré des unités chères, mais avec un seul des deux joueurs dans cette game qui a une banque, hein, c'est bel et bien DRG. On remet en position, grosso merdo, les mêmes bâtiments pour une nouvelle fois essayer de ralentir la progression du joueur dans les fights, de rentabiliser les tanks, qu'ils aient le temps de mettre quelques shots supplémentaires tout simplement. Mais pour l'instant, eh bien, on ne s'en sort pas vraiment, on n'arrive pas à empêcher l'économie du joueur Zerg de progresser. Ici, on va réussir à prendre une queen, c'est des injections en moins sur du coup, la reproduction d'unités à terme, mais ça paraît bien peu, bien médiocre quand il y a 59 Benling en cours de production, des Benling qui sont 2-3. Ouais. Je me demande si je préférerais pas Mas Lulu là, là-dessus. Après, bon. Là, il est un peu en train de lui dire, HF time, montre-moi ce que tu peux donner contre autant d'unités de zone. Attends, il va go à l'endroit où il y a les 3 mines, j'ai très peur. Oh, les shots de mine, oh, la vache de mine. Alors peut-être, oh là là, la mine qui effectivement fait un shot magistral, mais derrière, les tanks étaient majoritairement blinding, cloudé, n'est-ce pas, aveuglé par les nuages de son adversaire. Est-ce qu'on peut pas du coup réussir à s'en sortir? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec les maraudeurs et les ghosts 3-3 de leur côté face aux quelques unités de son adversaire? Il détache les ghosts pour aller choper une viper supplémentaire, c'est une bonne chose, une idée qui vaut très cher. La fight est très rentable, je pense, du côté de chez Time, grâce notamment à cette mine salvatrice. Il troll DRG ou quoi? Parce que genre, je comprends ce qu'il veut faire et pour l'instant ça fonctionne parce que mécaniquement il est en place, parce qu'il a du creep partout. Et là pour le coup, on peut pas vraiment dire qu'il était rentable. Il a détruit des unités importantes mais il a donné 60 Benlings, c'est énorme en termes de coûts, hein, les amis. Donc, on a balancé quoi, 1300, 1400 de gaz dans cet assaut. Et depuis tout à l'heure, le SimCity Terran est bon et les ghosts sont pas forcément détruits, donc on arrive à les empiler. Voilà, ici on vient de donner une soixantaine de Zerling pour pas grand chose, un cancel de CC, et c'est à peu près tout. Très bon, il arrive pendant cette séquence à sécuriser B9, hein, donc à terme, bon, l'écart économique va être très largement à la faveur de DRG, mais attention à l'erreur de trop qui permet une contre-attaque un peu inespérée pour Time. Bah c'est ça, parce que mine de rien, même s'il reproduit facilement grâce à son grand nombre de hatcheries et à sa très bonne économie, bah le fait est qu'il doit reproduire plus par fight que son adversaire, et tout à l'heure il avait une énorme banque, désormais ça n'est plus le cas. Son économie est toujours largement favorable, mais il a besoin d'une fight qui soit vraiment un bon trade, celle-là, et ça commence bien pour celle-ci en l'occurrence. Mal. C'est pas mal du tout, il arrive à récupérer toutes les unités qui se trouvaient là, Liberator, Tank, Ghost et Marauder indifféremment, Medivac qui finira par tomber face aux Hydralisques. Est-ce que finalement on ne s'est pas trompé du côté de chez Time en détachant des unités en dehors de cette fight? Est-ce qu'on ne devait pas 100% se consacrer à la défense de cette base-là, certes quasiment vide, mais qui était le seul point sur lequel se concentrait DRG? Ouais, non mais ça y est, je pense qu'il a fait le trou là-dessus, DRG, qui n'a perdu qu'une hatch de l'autre côté, une hatch qui n'était pas particulièrement exploitée par le joueur Zerg, il y avait très peu de drones dessus. Et ici, la composition Hydraling Bane, en mode tout droit, dans la grande quantité, est en train de faire la différence. Si ce tank inespéré a le droit de faire un shot dans des Zerglings, est-ce que ça change vraiment l'histoire de cette partie? Je n'en ai pas l'impression. DRG à 152 pop néanmoins, mais ouais, enfin, si tu parlais de banque, en fait le truc c'est que là il est dans une autre dynamique, genre plutôt que de se constituer une banque, en fait il dépense les ressources scandaleuses qu'il récupère par minute en vague non-stop, que Time ne peut pas vraiment recevoir. Ici, ce CC va-t-il pouvoir s'en sortir, les ghosts qui reviennent pour de multiples snipes, on bureau des mines, mais celles-ci n'ont pas rechargé, on va pouvoir s'en débarrasser, ouais. Zerling au corps à corps qui sont en train de faire un carnage et les ghosts qui tombent. Et ça, à mon avis, c'est la fin de la game pour un Time qui se retranche derrière ses bâtiments et son wall, surtout B2, mais celui-ci est détruit en très peu de temps par les Zerglings et les Hydralisques, plus 3. Ah non, là, là tout bonnement terrible pour Time. Une game probablement assez décevante, alors qu'on met tous les vigilants en mode sentinelle. Mais ouais, probablement une game un petit peu décevante, hein, parce qu'en soi... En soi, il essaye d'être actif, il fait un push elbat qui ne fait pas autant de dégâts que possible, il y a du multitask et il arrive à trouver un petit peu de dégâts avec, mais il n'arrive pas à empêcher l'économie de DRG de se mettre en place, et derrière DRG juste envoie vague après vague d'unités, il n'arrive à aucun moment à vraiment juguler l'agression de son adversaire, je sais pas si c'est le terme exact. Mais, non, c'est juguler, c'est vrai. Ouais, à juguler l'agression de son adversaire et à proposer une contre-attaque convaincante, hein. Mine de rien, même si DRG il faisait des trades à 70-30 à sa défaveur, bah au final il prenait suffisamment de pop sur une pop qui était relativement peu mobile, beaucoup de tanks notamment, qui faisait que Time avait du mal à avancer, et même s'il n'avait pas pu avancer, est-ce qu'il aurait pu avancer très loin? Le creep était très bien spread, vraiment il contrôlait
les trois quarts de la map, le bon DRG. Et du coup forcément il était dans une position excessivement bonne pour se prémunir des attaques, parce que le terrain doit prendre le temps de nettoyer le creep, hein. Vous pouvez pas traverser, ne pas scanner, laisser les creep tumeurs et vous faire engager en mode full vision, full speed de la part de l'armée Zerg, surtout avec quelque chose d'aussi mobile que Zergling Bending Hydra. Certes. Non, ouais, well done. Vraiment well done de la part de DRG, qui montre que dans la grande histoire de la game et de la macro game TVZ, bah, va falloir compter sur ses mécaniques de très 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 haut level et sa capacité à bourriner très fort. On n'était pas dans le contrôle de partie, on n'a pas multiplié les spores et les spines, on n'a pas campé derrière des lurkers et des vipères, on a bien et bien choisi d'enfoncer les défenses d'un terrain recroquevillé en mode tortue. Et le fait que ça ait passé, que ça soit passé aussi facilement sur la map de Time, m'inquiète un peu pour la suite de ce BO5, les amis. C'est inquiétant, en effet. Il avait eu l'opportunité de se battre contre Laser, et Laser avait craqué sous la pression, mais manifestement, on est face à un animal d'un calibre différent. Le vieux crocodile de Séoul, toujours là, 31 ou 32 ans de mémoire, le bon Derjax, et qui, mine de rien, ne bouge toujours pas, prédateur de l'éternel pour la jeunesse sur StarCraft 2. Il s'agit en 30. Zergle bleu pour la team Envy. Du plus vieux joueur actuel de la scène, plus vieux joueur professionnel actif de StarCraft 2, il s'agit de DRG. Park Soo-ho, 30 ans, il est de 91, DRG. C'est fou. Bon, en vrai, c'est quasiment la mort, 91. Hein. C'est vrai. En bas à gauche, en terrain rouge, il s'agit de Time, le meilleur joueur chinois depuis 5 ans. Qui casse des gueules, mais qui s'est fait dominer sur cette partie. Tapatapatapatapatipi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 t
s'orienter sur un dérapage contrôlé sur le visage de l'adversaire en early ou en mid-game. Mm-hmm. Il pense que c'est nécessaire. Écoutez, loin les lions, loin du creep. Loin du creep, loin du cœur, bien sûr. Du cœur de l'essaim. Earth of the Swarm, let's go. Mais non, ici pas d'option pour l'instant du côté de ces lions. Peut-être avec une mine KD8 pour décaler les queens. Récupérer une creep tumeur. La réponse est non, mais c'est le Reaper qui a pris tout le dégât. Dégât qu'il régénérera donc grâce à la drogue de combat. Et double chambre d'évolution, une nouvelle fois du côté de chez DRJAX. Lancé néanmoins avant le Bending Nest, sauf erreur de ma part. Donc cette fois-ci, peut-être une encore plus grosse en phase sur les upgrades. En se disant que bon, on ne va pas tenter de grosses agressions. Hein. Peut-être que les informations qu'il prend, ne serait-ce que sur le fait qu'on est bien en train de produire des marines en nombre et qu'on n'est pas, on n'est plus en train de produire des lions, le rassure sur le potentiel d'agression de son adversaire. Ouais, j'ai l'impression que le clash des skills des deux est pas à l'avantage de DRG, et pas à l'avantage de Time en vrai. Parce qu'on est sur deux joueurs standards du ZBT. On a un Time qui est très 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 clean, et ce depuis le début de sa carrière, mais je trouve un peu rigide dans ses plans de jeu. Et n'a pas ce wow factor de capacité à faire déraper une game dans lequel il est pas forcément très... Enfin, dans lequel il est pas dominant. Pour moi, Time, c'est je prends l'avantage en early. Et si possible, je tue en mid-game. Si ça dure plus, si l'avantage est pas clair, j'ai du mal à le voir l'emporter. Et DRG ressemble un peu au textbook Zerg qui se fera pas abuser et qui prendra peu de dégâts en early game et qui arrivera à passer ses 90 drones, moment où il va devenir quasiment ingérable en fait. Mm-hmm. Double drop. Direction les bases de son adversaire. A voir s'il trouve une opportunité plus intéressante. Hein. Ce drop est beaucoup plus rapide que ce qu'il a pu proposer à la partie précédente parce qu'il n'y a pas eu le Hellbat push entre les deux. Ceci étant dit, les queens sont là, certaines d'entre elles ont déjà l'air d'avoir l'énergie pour des transfuses. Le creep peut être transféré grâce aux creep tumeurs déjà actives et posées précédemment. On s'en récupère quelques-unes, mais pas de scan instantané pour claquer la creep tumeur encore là. On attendait peut-être que les Zergling portent la boucle seront de leur nez et qu'on puisse se battre séparément avec eux, mais on va préférer ici évacuer. Ah, j'ai du mal à... Ouais. Je sais pas, je suis pas convaincu par Time en temps, en règle générale, en tant que joueur. Pourtant j'aime bien, tu vois, j'ai beaucoup d'affection pour ce qu'il représente. Mais j'ai du mal à le voir faire déraper la game face à DRG. Alors attention quand même à ce double drop. Manque un peu d'unité sur la map alors qu'on se fait mettre la pression sur la B4. Alors on a quand même 5 queens hein, qui se tiennent les coudes, qui vont pouvoir se transfuser les unes à la suite des autres. Dans la B1 c'est parfaitement encaissé. Ouh, et bien il suffisait de le dire, il suffisait de montrer un peu de manque de soutien du play de Time pour que celui-ci arrive à faire déraper les choses. Ça prend la flotte sur la B4, dans la B1 c'est toujours pas géré, on perd des drones, on perd de l'incom, on perd des queens, on perd des lignes, on perd des Bane. Et Time qui est en train de faire la dive. On perd des bâtiments aussi, ici quelques drones qui vont encore finir par tomber. On va avoir des links, mais on se repositionne bien dans le minerai du côté de G-Time. Le tier 2 qui n'est pas vraiment menacé, hein, il ne devrait pas tomber. Mais il a pris déjà beaucoup de dégâts, peut-être affaibli pour plus tard. Alors que toujours plus de Zerglings sont récupérés, qu'on pick up au dernier moment. Et qu'on va finalement s'en aller comme un prince après avoir fait beaucoup de dégâts. Interrompu le mining sur deux bases et tué 5 drones. Peut-on continuer à faire du dégâts avec ce drop? La réponse a l'air d'être oui, cette queen si elle tombait ça serait tout bonnement terrible. Encore une fois, DRG compte énormément sur la qualité de ses injections hein, pour sa reproduction ici. La reproduction elle est un peu misérable hein. 16 Zerglings seulement le retard peut-être sur le Bending Nest et sur le Speedbane qui finalement lui auront coûté très cher. GG Time dont tu as douté et qui a fait quoi, tu vas voir, tu es pas juste un mec sympa, je gagne des games. You're right my man, effectivement. Ouais, non, du tout droit standard 3 CC double drop, bonne pression sur la carte. Et bon multitasking et probablement un DRG qui a skip une vague de Zergling quand il ne le fallait pas. Il a choisi d'investir plutôt dans des drones, ce qui lui aura coûté la partie. Il était en train de se setup hein, pour un mid-game similaire à la game numéro 1, mais celui-ci n'a pas pu le faire. Time avec le fait d'avoir sauté l'étape Hellbat se retrouve à un mid-game plus droit, plus directif, plus précis, avec un très bon multitasking
qui lui permet ici de prendre la game numéro 2. Bien joué à lui. Et on sait, oui, on rappelle hein, qu'il y a Dark Maru hein, pour terminer, donc si vous vous demandiez si les games de qualité étaient terminées, que c'était le dernier BO3 sympa en TVZ. Non. Il y a encore du gros quali. Ouais, clairement. Alors que Demu Slim est en finale d'un tournoi en équipe de Edge of Empire. Ouais, non, il arrête pas, hein, Demu. Hein. Le mad lad, quoi. Alors du coup, bon, c'est 18 000 balles de cash prize. Dont 7000 pour la première place, à diviser par 3, hein, c'est un petit peu moins de money, mais bon, c'est quand même une très très belle performance. GG à lui, impressionnant cette reconversion sur Edge of Empire qui est un succès massif. Clairement. Tout bonnement massif. Qui eût cru qu'on pourrait connaître une époque où Demu Slim était de nouveau meilleur que Marine Lord. Ouais, top player sur un autre jeu. Non mais c'est cool hein, il a l'air de kiffer, il le stream beaucoup et ça fonctionne bien. Non c'est clair. Très content pour lui de son succès renouvelé en tant que joueur, parce que bon en tant que streamer ça n'avait tout simplement jamais arrêté. Directement en bas à gauche, il ne s'arrête jamais non plus. Il s'agit pour la team NV d'un joueur plutôt énervé. Il s'agit de DRG. C'est quoi qui a crispé comme ça? C'est ma casquette. Ah d'accord. Le scratch de la casquette. Il est là. DRG pour Team Envy donc en bas à gauche. Vient de se faire égaliser par son adversaire. En haut à droite, le joueur chinois de KZ Gaming. Time. Le temps. Pata. Outside of space and time. Ah, c'est d'ailleurs dommage qu'on ait jamais eu de joueur qui s'appelait Space. Alors que ça fonctionnait quoi. Ouais, on avait un joueur qui s'appelait Space sur Warcraft 3. Mm. Un top undead coréen avec une histoire assez tragique. Ah merde. Parce qu'il avait. Je sais plus quelle maladie. Un truc ultra rare. Peut-être une zone de verre ou un truc comme ça. Enfin, un truc pété quoi. Qui fait que le mec, il savait que. Il allait clamser quelques années plus tard et il est effectivement mort. Space War 3. Dur. Il s'appelle. Dur. Qu'est-ce qu'il a des muslims? Des muslims, il. Il est mort il à 23 ans. Il va très loin dans des tournois Edge of Empire. 3 ans. Il a 23 ans, ouais. 23 ans. Oh, Inveterate Muscle Disorder at the age of 11. Passed away on May 6, 2013, à 23 ans. Ouais, coup dur. Rude. Mais il était vachement bon, Space. Et du coup, je sais pas si on a eu sur SC2. Je sais pas si c'est un truc qu'on a eu. On a eu spécial. Mais sinon, non je crois pas. Tu veux te mute tout seul ou je le fais pour toi? Je dis plus rien, c'est bon. Tête de Huc. Mon petit poulet. Tot Colette. Fils de. Tot Colette. Ah, on avait eu Space Marine, ouais. Ouais. Le joueur danois. Suyabe. Ce qui est un peu un nom de merde. Si je peux me permettre. Ouais, non, c'est pas ouf. Skip. Poutapatou. Petou. Petipoupou. Petou piti. Ouais, non, effectivement. Oh, pas de résultat sur la première page de Wikipédia. Alors qu'on joue avec les Erglings. On joue en leur jetant des cailloux dessus, hein. Bien sûr ne faites pas ça dans la vraie vie. Ne jetez pas des cailloux sur les petits animaux. C'est pas très sympa. Et puis c'est probablement illégal. Ouais, je pense qu'on a un time qui. Ah non, je pensais le voir dropper une deuxième rack, ce sera finalement la Starport. Ouais, pensais qu'il avait trouvé son mojo. Bah ouais, encore une fois, genre ça a été tellement un tout droit qu'il a infligé game 2 que j'aurais imaginé qu'on retente la même stratégie. Finalement, on veut mixer encore un peu pour empêcher DRG de prendre des décisions sans les confirmer. Sachant qu'il est pas très diligent quant au fait de scouter ce que fait son adversaire. Pas de sacrifice d'Overlord, pas d'Overlord Speed après 3 games. Peu de tentatives de early run by qui permettent de confirmer la présence d'un 3 MCC ou encore d'une factory. Donc pour l'instant, il joue dans le dark, le bon DRG. Et à ce titre-là, du coup, vouloir masquer son plan de jeu en essayant de ne pas répéter le même, permet du coup peut-être de prendre au dépourvu le joueur Zerg. Ouais, il rajoute même un viking, hein. Donc vraiment on veut laisser son adversaire dans l'ombre.
dans le noir le plus complet. Ok. Est-ce qu'on peut trouver des opportunités sur ces deux premiers? Déjà la cryptumeur active qui a été récupérée, c'est une première bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui a tendance à ne pas avoir un impact dramatique dans les parties, parce que l'expand du creep a déjà commencé, hein. Il y a déjà d'autres chemins de creep, d'autres cryptumeurs déjà actives et des queens qui sont dédiées au placement de nouvelles cryptumeurs. L'armory finalement qui a rajouté bel et bien un Hellbat Push qui va être tenté une nouvelle fois. En espérant que pour la première fois de ma longue vie, ça ne soit pas un Hellbat Push décevant. Mais ça, on n'en sait pour l'instant rien, c'est ce qu'on découvrira. On fait le choix cette fois-ci de faire un Medivac First d'ailleurs, hein, et pas un Liberator. Peut-être en estimant que le premier, que sur la première game, le Liberator n'avait tout simplement pas fait son office. Et le fait est que c'est une unité qui coûte plus cher que le Medivac, donc ça peut se tenir de préférer le sortir du Build Order. Alright, l'armurerie est là, une fois de plus, pour un timing décalé vers Hellbat. Si tu vois la facto sur un réacteur, tu dois pouvoir commencer à te poser des questions, je pense, quand tu es DRG. Mais n'est-ce pas un peu trop tard? Bon, après, encore une fois, hein, ça reste un timing Hellbat. À tout moment, on peut se dire, c'est de la merde. Et pourtant, il n'y avait pas particulièrement les unités qui sont censées chier sur ce genre de build. On va dropper 4 Hellions dans la B1 qu'on transformera en Hellbat le plus rapidement possible. Ça aurait été, ou alors on va les envoyer directement en nature, hein, dans la ligne de minerai pour un premier shot. Le surround qui est obtenu, bon pick-up de la part de Time, même si on prend pas mal de dégâts, hein, sur la spore qui était dans le secteur. Le run by nature dans la B3 qui est en train de faire du dégât, ça me plaît bien. On monte à 6 drones et on va exfiltrer les 4 Hellions qui avaient été utilisés pour ça. Alors que dans la B1, la pression n'est toujours pas gérée. Ça y est, ça fait du véritable dégât, direct et indirect, de la part de Time. Ah ouais, donc pas sur une variante traditionnelle du... Oh, le split des Hellbat à la dernière seconde pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mining à nouveau sur l'AB1 pendant très longtemps, qu'on continuera sur ce dégât indirect que tu évoquais, mais du coup en splittant sa population plutôt que de faire un push frontal, et ben on arrive à profiter assez largement du positionnement dans les packs de minerai ici. On n'arrivera pas à s'en faire avec le Medivac, il est tout bonnement décédé, notamment à cause de la sporululu, et on continue d'essayer de deny du mining sur le minerai. Le but n'est absolument pas de se battre avec les queens, on est en train de faire perdre du temps de minage, c'est très très intéressant. Parce que malgré le fait qu'on ignore pour l'instant la technologie Spire de son adversaire, eh bien cette dernière coûte cher pour se rentabiliser. On a besoin de faire beaucoup de mutas. Et là, ça se voit à l'Income Advantage. Pendant très longtemps, on récoltait 2100 de plus que son adversaire pendant une bonne minute. C'est très très impressionnant ce qu'arrive à faire ici Time. Ouais, bah là il y a le setup en mid-game qui pourrait permettre un potentiel tout droit si la macro suit Time un petit peu late là sur l'arrivée de ses dépôts supplémentaires qui va subir un léger supply block, c'est un peu dommage. Mais il a le setup puisqu'il a largement ralenti DRG là, un petit point income depuis le début de la game ne ferait pas de mal pour visualiser en fait l'impact, hein, qu'a eu ce run by de Hellbat et ce drop dans la B1. Et comme vous avez pu le voir, celui-ci est assez massif, même s'il n'aura pas duré très longtemps. Ça implique du coup une capacité en fait du joueur Terran à rally pointer directement de l'autre côté de la carte et mettre une pression qui potentiellement pourrait lui donner la win. Alors du coup tu veux pas regarder ton écran, hein, et pour la défense de Sébastien, il l'avait montré précédemment. Non, il l'a dit au moment où je l'ai dit. Non, avant ça aussi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Okay, genre okay. Vraiment, il l'a montré une première fois, il l'a pas montré très longtemps, mais il l'a montré une première fois. Voilà, c'est... Je suis premier à chier sur Sébastien. Non mais quand j'ai Sébastien, dit putain, justement, bon. Je me suis dit, enfin je sais pas si j'ai dit putain d'ailleurs, mais je sais plus ce que j'ai dit, mais oui. En fait c'était en réaction au fait qu'au moment où je dis j'aimerais bien voir l'income, il l'a mis en fait. Voilà, c'était pas pour chier dessus. En tout cas... ici c'est un poke ultra rentable puisqu'on prend beaucoup de zergling gratuitement et les mutas peuvent pas prendre la fight, hein. On en perd 2, on en perd 3, il reste un tank, le shot est bon sur les banelings et le snowball est en train de se mettre en place avec un deny de la B4 au sud, c'est très bien fait et intelligemment en plus on va dessiéger et reprendre position, et si interception il n'y a pas sur le repositionnement de cette armée, je pense que le go qui va arriver côté gauche va devenir très très compliqué à encaisser pour des RG. Là on n'a pas assez de muta pour fighter cette toile, on voit qu'elle est prête, donc on se contente de gratter des dépôts, mais même ça on n'y parviendra pas vraiment, on en est obligé de revenir à la maison puisqu'on voit bien que toute la pop elle est là en train de faire peser une énorme menace sur sa population. On aurait pu profiter du fait que la pop était un petit peu séparée, un petit peu divisée, mais on n'avait pas suffisamment de zergling pour vraiment menacer ce groupe de marines. On va réussir à retomber une hatch en cours de production, ne bénéficiant pas de son poids naturel et du coup décédant complètement. La contre-attaque est totale, on estime qu'on ne peut pas se battre en frontal. Il va effectivement récupérer pas mal de SCV sur cette séquence là, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il ne perd pas tout bonnement la game de l'autre côté de la map? S'il n'y a pas d'erreur d'exécution en fait de la part de Time, DRG juste pas les unités nécessaires pour encaisser tout cela.
Une grosse partie est sur la carte en contre-attaque et pour l'instant les Bennies ne connectent pas fort et au contraire, on a du DPS constant dans une armée terrane avec les tanks qui envoient du DPS de très très loin, les marines qui se spreadent les uns les autres pour éviter de prendre trop de dégâts sur des connexions de Banelink. C'est très très bien ce que fait Time et en plus il a maintenu une très très bonne économie en ne perdant quasiment aucun des civis sur la précédente fight. Et ici, oui, les Bane vont finir à terme je pense par clear une grosse partie des marines, mais l'investissement en gaz est colossal. Attention, les 3 medivacs qui vont se faire donner la chasse, y a-t-il la reprod qui va pouvoir venir intercepter? Je pense qu'on va perdre deux au moins de ces 3, ou deux ou 3 même de ces medivacs. Deux sur les 3, c'est forcément un petit peu dommage, ça aide un petit peu à DRG à relativiser la situation. Il a quand même récupéré pas mal de valeur à son adversaire, ceci étant dit les upgrades sont gravement en retard et là on peut se dire ok, ah, c'est bon, je vais toucher moins, ça va, je vais m'en sortir, mais le 2 il est déjà en train d'arriver, le 1 de défense mécanique aussi qui va beaucoup bénéficier au Medivac et aux mines qui va arriver également, quelques marines qui vont faire gagner du temps pour la tourelle. Est-ce qu'on du coup on va réussir à la finir? Non, enfin si, puisque du coup on doit envoyer les mutas de l'autre côté de la map pour défendre contre ça. Heureusement une mine va être déchargée dans un overlord, c'est une bonne nouvelle pour DRG, mais la hatch tombe tout de même, on est que sur 3 hatch à 10 minutes de jeu. La position B3, hein. Est dramatique. C'est ça, c'est B4 contre B3. Elle travaille avec une forteresse planétaire déjà cette B4, un côté Terran. Donc à moins qu'on multiplie les fights catastrophiques et que les Banning soient d'une rentabilité extrême, on est lentement mais sûrement en train de mourir. Et même si cette fight est bonne du côté de chez DRG, le supply ne bouge pas. En tout cas, l'écart de supply ne bouge pas puisqu'on est toujours à plus 40 à la faveur de Time qui est en train de faire le trou dans ce best of 5. Encore une fois, des upsets. Le dernier Terran Foreigner, en tout cas le dernier joueur Foreigner qui est en train de faire largement travailler DRG dans cette série, lui qui était favori pour les casters internationaux, et bien est en train de se faire dominer. Ce pack de mutas ne fait peur à personne. Ouais, à part Asmarauder qui ne pouvait pas se défendre, mais qui de toute manière n'avait qu'une vocation, c'est aller à l'attaque, la meilleure de toutes les défenses. Bien évidemment, une nouvelle hatchery qui pourrait tomber si on ne la cancelle pas en temps et en heure. Les mines qui sont déterrées, voilà, pour ne pas détonner sur des packs de Zergling bien splittés justement, Gigi. Et qui du coup se retrouvent à taper de manière sanglante. Time qui prend l'avantage dans ce BO5 après une game numéro 1 qui nous avait laissé très inquiets par rapport aux chances du joueur chinois. Ce dernier se rebiffe et explique à son voisin coréen comment est-ce que ça se passe quand il a le droit de mettre en place un plan de jeu. Ouais, plan de jeu simple, plan de jeu efficace, pas d'erreur mécanique particulière, que ce soit dans ses splits ou dans sa macro. Early game dominé et fin de game en l'espace d'une dizaine de minutes, c'est là que Time est le plus impressionnant, c'est là que Time est le plus dangereux, et c'est pour ça qu'il mène 2 à 1 avant la petite pause que vous connaissez depuis le début de l'après-midi après la game 3. On break 2 à 1 en faveur de Time et un nouvel upset qui pourrait bien avoir lieu avec la victoire du joueur chinois. Il faudra pour ça gagner une game numéro 3, on verra si ce sera la prochaine. En tout cas, on fait une toute petite pause et on revient après ça, à tout de suite. Heureux. 2-1, putain, Time qui mène quoi. Ouais, Time qui mène, inattendu, mais qui mène en le faisant bien. Encore une fois, il y a vraiment juste cette game 1 qui laisse un peu inquiet, mais derrière c'est convaincant ce qu'il arrive à produire, c'est multitask intensif, c'est propre, c'est des bonnes décisions, c'est aussi simple et efficace, donc ça donne envie d'en voir un petit peu plus. On verra si ça sera plus dans la mesure d'un 3-2, hein, puisque c'est jusque là les résultats qu'on a eu dans ce RO8 que des 3-2 pour l'instant, et on pourrait tout aussi bien se diriger pour le même résultat ici si on avait un joueur Zerg qui se rebiffait enfin face au joueur qui domine à l'heure actuelle ce Best of 5. Il a spawn en bas à gauche pour l'équipe chinoise KZ Gaming partageant cette nationalité, il s'agit de Time. Et sur l'adversaire directement en gauche en Zerg bleu, il est pour la team NV et il s'agit de DRG. Effectivement, Q a gagné contre Zest. Encore une fois, un Protoss éliminé. Ah, d'ailleurs, peut-être que Mana a fait son tweet pour dire que tous les Protoss avaient été éliminés. On s'en bat les couilles, non ? Moi, je suis juste curieux de savoir s'il continue de le faire en fait. Et voilà, il l'a fait. Insane. Ah. Vivement le buff. Hein. Et je parle pas du buff de Kobe. Franck le buff aussi. Aussi ouais, mais je sais pas qui c'est donc. Franck le buff, c'est un joueur de foot à l'ancienne de l'équipe de France. Un garde. Et what about Shia le buff? Ouais, Shia le buff aussi. Franck le buff. Shia le buff. Voilà.
un chauve BG quoi. Au cas où tu poses la question de la gueule de Franck Leboeuf quoi. Bon. Il est mort non de toute manière. Bah il est né en 68 donc il devrait être mort plus longtemps quoi mais. À peu près ouais. En même temps, quand tu nais au Moyen-Âge comme ça, c'est compliqué hein. Oh ça va, ça va. A voir donc ce qui est proposé. Si on repart sur du simple et efficace du côté de chez Time, ou même si le bon DRG arrive à être force de proposition, parce que bah mine de rien, dans les 3 games, il a un peu attendu et accepté ce que proposait son adversaire et puis il y réagissait quoi. Donc, bon, ça s'est bien passé sur la game 1, mais là il pourrait aussi être celui qui se décide finalement à passer à l'offensive. Connexion pourrait être une map intéressante pour caler un Nidus, hein. Il y a un bel espace de sans vision dans la B1, donc ça pourrait être intéressant. Je viens de recevoir un SMS scam. Ouais. Ça me dit attention, un message a été envoyé à votre numéro de téléphone ce lundi 17 janvier. Ah. Ça ne marche pas. Enfin, t'avais déjà toute la structure qui te le faisait, mais là c'était vraiment genre ah mais là vous avez fait aucun effort du coup. C'est dommage. Vraiment dommage. Oh, deuxième Rax, rapide. Pas de spatioport immédiat à se faire de ma part, donc plus similaire à ce qu'on a proposé justement dans la game 2. En opposition à ce qu'on a pu proposer dans la game 3. Ouais bah non, il fait de la rotation Time, il propose des mix de stratégies qui me plaisent bien. Et même si j'étais peu convaincu par sa capacité à faire la différence en early game après la game numéro 1, eh bien je suis en fait obligé de déguster mon chapeau. Puisqu'il a été capable de le faire game 2, game 3 pour des victoires simples, brutes, directes, comme on aime dans le match-up TVZ. Donc il y a le Steam qui va être envoyé, voilà, on cut pas les CV, on continue bien macro bien proprement, on paye la starport, les ressources sont très très basses du côté de chez Time, c'est bien, c'est optimal. Ok. Ouh, 2 septembre 2022, premier épisode de la série Lord of the Rings. Putain, tu viens de dire de septembre là? J'ai dit septembre. Ok, tu le dis tellement vite, ça ressemblait à septembre. Ouais, bah détends-toi par contre. Ça ne marche espèce de gros pas. Sac à merde. Comment ça, espèce de gros sac à merde? Yeah. La série Lord of the Rings, vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Bon, après, apparemment, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Karin. Ouais, on pourrait dire. Bah, oui, t'as un problème avec les Karin? Bah, je trouve ça juste dommage dans un univers où il y a littéralement des langues qui ont été inventées que on utilise un prénom comme Karin, tu vois. Je pense qu'il y a des options. Ok, je comprends, ouais. Voilà, c'est un peu décevant. C'est un peu Tabby Hatsby, mais... qui vraiment n'existe pas dans l'histoire de base, donc c'est. Vraiment dommage! Mais bon. C'est pas un drame. Very sad. Je vais pas faire mon nerd sur Twitter à faire des actually. Actually. Parce que ça n'intéresse personne. Mais bon. Karine le marchand. Ah. Rien à voir. Mais je vais le taper. Comme ça qu'on dit non, 70. Non. Non, il n'y a pas un mois de 70 entre le mois d'août et le mois d'octobre. Karine est apparemment un nom de code pour pas dévoiler le vrai nom. Ah bon? Allez bim. Ok. Don't be a bitch. Ouais, Double drop Marine, Elbat Reaper devant, est-ce qu'on a les unités? 22 Zerglings, c'est la panique du côté de chez DRG. Après bon il a une concave de Queen qui fait un peu flipper, mais le positionnement du terrain est excellent. Ouais, tous les Zerglings sont mortellement rapidement, il y a encore beaucoup de Marines en vie, beaucoup de Marines qui ont encore le steam, les Queens sont à court d'énergie, est-ce que c'est pas en train de déraper? Non, ça va finir par manquer de souffle, et ce petit Marine ici qui a empêché le sauvetage d'un troisième Elbat, hein, qui aurait peut-être permis de continuer le push directement dans la bien de son adversaire. Les Queens qui sont sur la piste, sur les traces de ces Medivac qui sont en train de les traquer, mais ici du coup on ne trouve pas d'opportunité de drop et on va pouvoir rentrer à la maison.
Je sais pas si on est très satisfait du trade hein, du côté de chez Time. Oui, on a tué beaucoup de Zergling et c'était bien, mais bon, à la fin, on a quand même perdu des Marines, on a quand même perdu des Hellbats. Bon, et puis la B3 arrive. On est spécialement avancé dans la game et on va se retrouver face à un joueur qui va toucher son A1, qui va toucher son Speedbane. Bref, un joueur qui va être dans un scénario similaire à la game 1. Ouais, je suis pas très fan non plus de cet opening mid-game de Time, d'autant que sa B3 arrive très très tard sur la position. Plus de 6 minutes 30, quand les meilleurs des timings sont plutôt entre 5 et 5.30. On a une grosse minute de retard sur cette troisième base, même si on a bien macro CCV avec 57, 58 à l'heure actuelle. On est plutôt correct de ce point de vue-là, mais on ne pouvait pas vraiment l'exploiter. Il va falloir continuer d'appuyer sur le multitasking, et c'est ce qu'il va faire ici avec deux medivacs chargés et envoyés sur le flanc gauche. Seulement le map control de DRG est déjà très bon, avec notamment un Zergling, qui à mon avis a dû voir passer ces deux medivacs. On va voir s'il y a réaction de la part de DRG, la réponse est oui. Hein. Regardez le positionnement de ces lignes et de cette bending qui n'est pas anodin. Et avec deux upgrades de retard, les Marines ne peuvent pas vraiment prendre de fight rentable face à autant de Zergling. Ici, on a pris un Bane qui vient de récupérer 7 Marines. Et le drop B1 est intercepté par un wall de sport. Il n'y a rien qui va pour Time sur cette séquence d'agression qui avait un potentiel pourtant. Potentiel d'agression finalement nullifié ici. Et Time qui va devoir dropper vite les mines. Ok, elles ont face Moro, du coup peut-être une connexion intéressante, correcte. Malheureusement la sport n'arrêtait pas de donner de la vision pour autant. Et du coup les Zerglings ont pu s'en débarrasser. Ici justement peut-être une sport rattrapée qui ouvrirait un futur chemin vers un drop mine. Mais non, ça cancel, ça repose instantanément. On va continuer sur les drop mines. Une variante intéressante hein, qui est proposée par Time comparé au scénario de la game numéro 1 justement, où il avait finalement arrêté un peu les agressions pour se consacrer à sa macro. Ici, on va continuer le harass presque de manière clémesque du côté du joueur chinois. Ouais, bah il faut. Hein. Il sait que l'un de ses drops doit finir par faire du dégât, sinon la sortie sur la carte sera probablement couronnée d'une tape sur la tête et d'un GG noreux. Attention, les mines B1 qui ont un potentiel. On va prendre 2 drones, on va prendre 7 drones, c'est pas mal. Le Medivac en plus n'a pas été consommé dans le processus. Ici, il y a probablement une queen à récupérer si DRG n'est pas dessus. Et il n'est pas dessus, c'est même 2 queens qui vont tomber. Et pour un somme tout, un tout petit pack de marines qui agresse sur le côté gauche, on est déjà plutôt rentable sur ce genre de trade un peu inespéré. Ouais, puis beaucoup de transfuses aussi, hein. Peut-être que, bon, ouais, vu le timing du 2-2, ça paraît compliqué, il s'est un peu oublié sur la Mori hein, là-dessus. Et sur l'envoi des upgrades, parce que mine de rien, il devrait pas être si en retard que ça. Oui, il a eu du retard sur ses upgrades dans la partie, dû au build order choisi par DRG et sa bonne absorption des premières attaques. Mais ça n'aurait pas dû être si important, et là, il est en train de nous faire une petite répétition de la partie précédente. Ce n'est pas tout à fait 60 bending, mais c'est bien 32 qui vont être produits, des bending qui vont taper sur un timing 2-2. Très énervé si on n'a pas les tanks bien positionnés, les mines qui font les bonnes connexions, on va avoir des problèmes, d'autant plus que les rochers ont déjà été ouverts. La mine qui justement va taper ici dans le vide, un seul tank pour défendre cette B3 pour l'instant, c'est un petit peu ric-rac du côté du Time. Et quand je dis ric-rac, je veux bien sûr dire dramatique pour le joueur chinois qui se retrouve face à une déferlante d'acide qui va prendre à minima toute sa ligne de minerai. La force de l'incom en gaz énervé de DRG depuis le début de la game, qui peut se permettre d'envoyer à la tronche de son adversaire. C'est ce gaz Vespen cherché et obtenu depuis le début de la partie. Alors bon, il a pris 22 SCV et pas grand chose de plus. Hein. Un tank et une poignée de marines. Attention au potentiel de contre-attaque, même si l'arrivée tardive hein, d'un plus 2 d'attaque pose un peu problème du côté de chez Time, qui ne peut pas vraiment traverser la carte et qui permet en fait à son adversaire, à DRG, de reproduire un maximum de banning qui devrait suffire pour encaisser. Est-ce que c'est une bonne idée de Rogo encore une fois? La mine tape très fort. Ouais, il n'y avait pas tant de SCV que ça à prendre, hein. Du coup attention, là on n'a pas vraiment non plus perdu de bio pour l'instant du côté de chez Time. On pourrait se trouver dans un scénario où il y a suffisamment de bio pour faire une contre-attaque convaincante. Quelques bending qui vont connecter dans les marines, mais finalement de manière pas si intéressante que ça. Le temps qu'il a tenu son rang, on pourrait réussir à traverser la map avec ça, avec un bon contingent de marines qui a le droit de faire des choses. Surtout que pendant ce temps-là, on est en train de terminer le 2-2, on a déjà lancé le 3 attaque et on constate la progression technologique de son adversaire. Encore une fois sur l'Hydralisk Den, et avec le tier 3, on imagine à terme un Lurker Den une recharge des upgrades, même si on l'avait vu sur la game numéro 1, DRG n'avait pas fait une seule de ses unités de siège. Il est vrai. Non, ici il en a fait quelques-unes, mais elles se sont fait sniper très très vite. Bien joué ici le spread. Contre. Ouais, il en a sorti 3, je crois, qui sont fait sniper par des ghosts ultra tôt. Mais oui, très peu comparé à ce qu'on imaginait dans la composition. Une fight de bourrin côté gauche qui n'est pas ultra rentable pour DRG, mais encore une fois avec un avantage économique de plus de 20 workers d'avance, on peut se permettre ce genre de séquence de jeu, le drop, solo drop. Enfin, ce 8 marine drop dans la B2,
puis dans la B1 qui va être proposée mais qui ne générera pas beaucoup de dégâts, et des tanks prisonniers de la B1 ici pour Time qui ne peut pas exploiter l'intégralité de son army supply à moins qu'il ne fasse recours à un medivac qui pourra aller pick up hein, ces deux tanks oubliés là-haut. Ouais, il faudrait, hein, parce que là, ça va être une puissance de feu dont on a besoin pour commencer à gérer les premiers hydras, malgré le fait que ces tanks soient toujours 0-0, ce qui est un petit peu dommage quand on considère qu'il n'a lancé que son 3 d'attaque d'infanterie et pas son 3 de défense, hein. C'est pas une question de manque de ressources, pas vraiment. Voilà, il va finalement lancer son 3 de défense et du coup maintenant on manque un peu des ressources pour lancer son 1 d'attaque d'artillerie, mais il en aurait quand même bien besoin de cet upgrade face à des unités ZA qui elles sont 2 de défense, les premières Viper également qui sont en train d'arriver sur le terrain et qui pourraient largement changer la donne justement face à un compte de tanks important si ce dernier n'était pas bien spread ou au contraire un petit peu trop écarté du reste de la population et que du coup on pouvait les hook sans risquer de perdre ses Vipers. Attention. Premier impact de l'armée Zerg, la mine qui tape très très fort. Est-ce qu'il y a suffisamment de maraudeurs pour encaisser les Banings reproduits? La réponse est non et on va devoir évacuer avec le restant de cette armée 6 Medivac qui s'en sortent sur cette séquence, mais l'avancée. Oh là. Non, Time, non. Si, mais ça y est, bon, de toute façon, il y a une tourelle à côté, donc on s'en fout que le scan soit pas terminé. Enfin, se termine, pardon. Ok, ici le spread anti-mine qui est un peu raté. On a sélectionné un Zerling qui n'était pas ciblé par la mine. Et bientôt l'arrivée du 3-3. Est-ce qu'avant l'arrivée de la Tech Lurker, on a quelque chose à jouer dans cette game? Il y a 94 drones qui sont passés hein, du côté de chez DRG qui, d'un point de vue économique, se met bleu doux dans cette game. Ouais, mais il a pas. Enfin, au-delà du gros go de tout à l'heure sur la B3, il a plus vraiment fait de dégâts économiques. Hein. Donc, Time s'est bien remonté là. C'est vrai qu'il a 82 ici. Avec la prise de B5, on va avoir une économie qui est loin d'être déconnante. On est quand même sur un scénario plutôt favorable, mais j'aimerais le voir un peu plus proactif sur la map. Là, ça me fait très peur de voir le Ninus Network, quelque chose d'assez similaire à ce que Dark avait pu proposer face à Clay Mooney, justement, où il avait du coup complètement fait perdre la tête aux joueurs français avec des Nidus notamment qui amenaient des lurkers dans ses bases et qui rendaient la vie difficile aux joueurs Terran. Ce sera probablement le cas ici aussi. On finira par trouver un angle hein, pour le Nidus. C'est quasiment impossible de complètement empêcher un Nidus de se terminer. La question c'est est-ce que tu es capable malgré tout de limiter les dégâts tout en infligeant à ton adversaire. Ah, on va le déterminer maintenant. Oula, il peut y avoir Abduct. Oh, il va Abduct. Il va Abduct avec ses Vipers et ses deux Medivac. 3 Medivac quasiment full armé. Oh, c'est 32 pop. 35 de pop qui vont être débarrassés d'un coup alors qu'on essaye d'accélérer côté droit, mais Time n'a pas le nez dessus parce qu'il se rend bien compte qu'il est sur le point de se faire engage. Du coup il ne fait pas plus de dégâts et il est possible d'ailleurs qu'on ait eu recours à un petit F2 à clic là ici pour venir défendre la menace. Et très 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 bonne opportunité saisie par DRG qui récupère 20 SCV, une, lève une B3 et prend 32 pop à son adversaire tout en limitant la pression qu'il ressentait de l'autre côté de la carte. Sublimement ouais. Bien joué. Il est en train de terminer les technologies, hein. Le Nibs Network c'est terminé, on est en train de faire les aiguillons sismiques, on aura probablement les glyphes falsifums qui se produiront dans la foulée, donc on est en train d'avoir une armée qui gagne en grosse grosse qualité très rapidement, 10 lurkers supplémentaires dans la composition de DRG et ça commence à prendre les airs d'un gros clou dans le cercueil de Time, notamment avec ce Nidus qui est embrayé, même si on a quelques marines qui arrivent pour gérer ça rapidement, on devrait réussir à empêcher ce Nidus de débarquer, mais les lurkers eux seront toujours bel et bien sur le terrain et pourront aussi se joindre à la fête, à la mêlée principale alors qu'on désamorce une première mine et que les lurkers ne sont toujours pas révélés, si finalement peut-être par cette mine qui ne tirera pas à titre post-mortem. Ouais, normalement, DRG est censé lui acclic sa mère là dans l'histoire. Alors, ouais, il go par la B3, ce qui est pas la meilleure décision du monde, je trouve. Et je pense qu'on va pas. Et il a pas encore les griffes falciformes. Hein, donc, encore une fois, on est un peu en anti-timing, je trouve. Blinding Cloud sur les tanks, mais les ghosts peuvent faire les snipes. Il est en train de faire nimp, DRG. Oh, mais il a, ouais. Il non, a il fait a... nimp. Alors, heureusement pour lui, il a beaucoup, tu vois. Mais. Enfin, genre, il avait 52 pop d'avance, il a plus 52 pop d'avance. Hein. Oh, j'ai cru que la PF allait survivre. Mais non, il y avait encore des Benlings qui étaient disponibles, il y en a même deux qui ont réussi à réchapper de cette fight là. Mais on peut reposer la base instantanément. Mais c'est vrai que ici la perte de 10 lurkers elle coûte cher. D'ailleurs, on vient de dépenser. Elle est pas nécessaire en fait. De... Bah ouais, c'est pas nécessaire, tu pouvais attendre tes griffes falciformes, t'aurais pu aussi combiner les deux populations plutôt que de taper sur une PF en parallèle. C'est bien de taper sur la PF, de récupérer les 20 SCV, mais t'aurais peut-être pu aussi juste gagner la game en concentrant tous tes efforts sur un seul endroit et en débordant en direction de la B2. Ça n'a pas été son choix en tous les cas, et il est toujours correct dans cette partie, le bon DRG. Hein. Il a encore une belle population, il a des bonnes upgrades, il a surtout une excellente économie, alors que son adversaire commence à avoir une économie un petit peu en berne, et je parle pas de Stéphane, on verra ce qu'il en est dans les prochaines minutes, mais il n'a pas l'air de décider de vouloir refaire des lurkers, le bon DRG. Ouais, je crois qu'il a pas besoin, et qu'il a montré d'ailleurs dans la game 1 qu'il pouvait, une fois qu'il avait passé ses 95 plus drones, gagner avec un Lingbane Hydra des plus standards, qui
qui rend un peu moins valable en fait l'arrivée de beaucoup de gosses dans la composition. Ici, on a très bien absorbé quand même ce petit go, même si c'est majoritairement des Erglings qui ont été donnés par DRG sur cette séquence. C'est quand même un beau setup défensif et une belle séquence pour le joueur chinois. On arrive à glisser un Nidus dans une des rares zones d'ombre du côté de la carte de Time, qui pendant ce temps-là, lui, essaye de sécuriser une B6. Évidemment, il faut progresser économiquement hein, pour continuer d'encaisser ce genre de menaces. Dans la B1, le Nidus est vu. Et les Ghosts vont pouvoir s'en occuper. On est intéressé hein, par l'Overseer dans un premier lieu. C'est ce qu'on va sniper. Le Nidus au sud entre B5, B6 et B4 va probablement être révélé d'ici quelques instants. Engagement ici, tous les tanks qui tombent rapidement, la PF complètement isolée qui ne pourra pas être sauvée. Des griffes acérées, des Erglings et des Benlings. Les Benlings qui vont d'ailleurs trouver des dernières connexions inespérées du côté de chez DRG, qui maintient sa belle avance économique par la même et qui reproduit 80 Erglings. On reverra, je pense, une grosse production de Bane, même si là, pour le coup, on n'a que 700 de gaz. Donc ça non, il a 1500. 1500 de gaz, j'ai confondu les lignes. Oui, on va avoir une grosse production de Bane du coup. C'est même le minerai quasiment qui lui pose problème dans le fait de pouvoir reproduire des Bane. Non bah. Time fait de la résistance depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va vraiment suffire? Cette attaque est catastrophique pour DRG. Hein. Pourquoi il go comme ça là? Bah, il n'y avait pas les Bane en fait. Les Bane n'étaient pas tout à fait terminés au moment de la fight, ou alors ils étaient restés de l'autre côté, mais du coup bah. Il a attaqué sans Bane, il a trouvé un surround, mais le surround qui empêcherait les unités de splitter face à un éventuel. De splitter face aux éventuels Bane, bah c'est juste pas produit, c'est catastrophique. Néanmoins, il reste toujours devant dans la partie grâce à une bonne économie. Le problème, c'est qu'on est sur connexion et qu'on arrive peut-être à un stade où il ne va pas y avoir beaucoup plus de ressources sur la map. On va peut-être finir par avoir des problèmes de ce point de vue-là, de la capacité à juste récolter suffisamment de ressources pour renouveler systématiquement son armée. Ouais. Repousser ou détruire la B6 en bas à droite aura été très important quand même pour DRG. Parce que là, typiquement là, si Time est en train de miner sur B6 en ce moment même, je commencerai à m'inquiéter pour DRG. Je pense pas qu'on y soit encore. Parce que la B6 en fait, avec la prise de B5 sur la hauteur, la B6 au sud permet normalement une B7 quasiment gratuite. Et soudainement, c'est de deux bases supplémentaires dont on parle, ce qui est un bien plus gros danger. Et mention spéciale quand même à la belle défense contre les Nidus hein, depuis le début de Time, qui ne laisse pas de Nidus prendre position dans sa main. Ici, c'est des Vipers qui vont se faire sniper. Deux Vipers gratos là-dessus. Très bien joué de la part de Time, qui joue très précisément et qui profite hein, des petits errements agressifs de DRG qui se trompent un peu par moment. Effectivement, mais là les lurkers vont commencer à poke la PF. On devrait les évacuer rapidement en théorie dès qu'on va voir les tanks qui vont commencer à tabasser. Exactement ce qui va se produire par un seul lurker de perdu. Est-ce qu'on trouve un autre angle d'attaque? La réponse a l'air d'être non, et ça va être difficile pour Time de vraiment se consacrer à ses lurkers. Il a d'autres choses qu'il va devoir envisager défendre, alors que DRG commence à prendre des bases qui en théorie ne lui appartiennent pas. C'est nécessaire pour son style de jeu extrêmement bourrin, dans lequel il envoie vague après vague d'unités dans la tête du joueur Terran. Les snipes néanmoins qui sont en train de commencer à pleuvoir sur des lurkers concentrés à se battre contre une un CC, que CC va mourir. C'est extrêmement dommage du côté de chez Time de laisser ce CC mourir, absolument pas nécessaire. Ouais, mais encore une fois, un go un peu raté de la part de DRG qui donne beaucoup de gaz sur le flanc gauche. Alors oui, on a chopé une orbitale, mais je crois que des CC supplémentaires, il y en a encore quelques-uns disponibles hein, sur la carte. Et au minimum, s'il ne les a pas, Time va les reposer à l'instant, puisqu'il a un peu de banque de minerais et qu'il est quasiment maxé. Ce serait intéressant d'arriver à se débarrasser de ses lurkers. Je pense qu'il a envie de les pin à cet endroit-là, hein, de les bloquer et de les récupérer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, Time défensivement, eh bien nous sort une performance. Alors de là à dire qu'on est sur du Maru level, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas une très belle imitation de ce que Maru nous propose, avec une défense et un sentiment de joueur dominé depuis le début, qui malgré tout arrive à résister et à prendre les bases supplémentaires qui lui permettent de rêver à une victoire potentielle. Les snipes qui tombent, les lurkers les plus proches qui sont récupérés, bonne nouvelle, ça peut permettre de éventuellement aller choper les lurkers supplémentaires, notamment grâce au tank qui a une meilleure portée que ces derniers. On l'oublie parfois, mais c'est bel et bien le cas. Il gagne un maximum de temps de ce côté-là de la map et il va préparer une nouvelle fois une agression sur cette B3 qui aura subi les coups de boutoir encore et toujours du joueur Zer. Quoi que je dis ça, mais finalement, peut-être qu'on change d'angle alors que les mines n'ont pas les meilleures connexions du monde. Elle n'aura pas tiré cette dernière mine alors que j'y ai cru aussi, mais celle-ci finira par taper. Heureusement, il y avait les Blinding Cloud sur les tanks qui permettent à une partie des unités de s'en sortir, mais je crois qu'on a également perdu une Viper, ce qui reste une
mauvaise nouvelle. Et désormais, Time, eh bien, il reste devant au supply armé après les fights. C'était quelque chose qui n'a pas toujours été vrai dans les différents échanges. Time pourrait se retrouver dans une position où il a une composition finalement suffisamment puissante, suffisamment nombreuse pour aller contre-attaquer à terme. Pour ça, il va probablement attendre néanmoins son plus 3 d'attaque mécanique. Ouais, alors le style de DRG implique qu'il y ait Snowball à un moment donné. Là, ça fait bien longtemps qu'on se dit pas qu'il est sur le bord de Snowball. Alors, il va choper peut-être ce CC, quoique non, il peut pas vraiment le terminer. Les Vipers sont oubliés et sont donnés. Deux Vipers de plus, des Link, des Banelink, des Hydralis, c'est une catastrophe. Drop de Ghost un peu inattendu de l'autre côté de la carte. Oh non, il va en donner tellement. Oh non, c'est trop con. Il vient de donner 8 Ghosts là-dessus. Oh, t'as pas le droit de faire ça, Time, mec. T'es tellement bien. Ouais, c'est des unités qui valent très cher et qu'il n'a pas vraiment les moyens de reproduire à l'heure actuelle. Désormais, les populations armées qui se sont définitivement rapprochées et qui va rendre la partie compliquée du côté de chez Time, puisque maintenant il va devoir faire face à une nouvelle composition des infestateurs, des corrupteurs contre lesquels ces ghosts auraient été si utiles de par leur snipe, de par leurs EMP pour les gérer tout simplement. Le petit changement qui va prendre l'information sur le positionnement des tanks, sur le positionnement des mines, sur le positionnement de la base également, et on va savoir qu'on a un petit peu de temps devant soi avant que Time ne se reconstruise suffisamment pour faire peser la moindre menace, un temps qui peut être suffisant pour produire les Broodlords dont on vient de débloquer la technologie. Est-ce qu'il fait vraiment des Broodlords? Double upgrade Spire, pourquoi pas. Ok, les Ghosts qui se font cancel une partie de leur shot, mais on arrive à récupérer 2-3 leur cœur. Les Ghosts sont bien micro, backés juste après la fight, avec beaucoup de tanks pour les couvrir. Enfin, ça joue excessivement bien. Genre, la vraie grosse erreur de Time, ça aurait été la perte de ces Ghosts là sur le flanc gauche, qui fait que la composition et le compte de Ghosts est moins impressionnant que tout à l'heure. Je pense qu'il en avait littéralement 8 hein, sur ce go à l'ouest. Mais sinon, très très bien. Et tu as raison, ce sera bel et bien les Broodlords qui vont être commit dans cette game. 12 Broodlords d'un coup, et ça c'est un switch technologique qui, s'il n'est pas anticipé par Time, va poser problème, hein, parce que la seule unité vraiment qui lui permet de gérer des Broodlords à l'heure actuelle, c'est des Ghosts, et des Ghosts, il en a une dizaine. Le reste de sa compo, c'est du Marauder, c'est du tank, des mines, qui vont être inutiles face à Broodlord, et il est possible que ce switch, après 23 minutes de jeu, finisse par faire la différence. 206 sur 200, la triche bien évidemment du côté de chez DRG qui a produit des sports pour s'ouvrir du supply supplémentaire, produire des unités, puis cancel les sports. D'où ce dépassement de la limite théorique de supply. On va pouvoir s'y reprêter, puisque là on a perdu suffisamment d'unités pour repasser en dessous de la barre des 200 du côté de chez DRG. Est-ce qu'on arrive à tomber cette base sur la droite? Ça sera intéressant. Théoriquement, cette base elle appartient à Time, mais on n'a pas le droit de perdre les Ghosts qui se sont attelés à sa destruction, alors que les mines et les tanks vont commencer à produire énormément de friendly fire à cause des Broodlings. Ça va devenir les pires ennemis de la composition Terran, alors que le bon Time est en train de se perdre au niveau de ses Ghosts. C'est terrible, ces Ghosts ô combien nécessaires pour EMP, pour sniper qui viennent de se donner. Ouais, il voulait se repositionner derrière et je pense qu'il s'est fait un petit peu abuser par le mouvement des unités et du coup les Ghosts qui sont venus se donner sur le côté droit. C'est très très triste cette game en vrai pour Time, parce que je pense qu'il avait fait la différence dans cette partie, ou en tout cas il était en train de le faire. Et puis il a enchaîné deux plays de qualité médiocre et cette transition vers Broodlord qui était ultra inspirée par DRG, tant la composition de Time était allouée au fait de défendre contre Hydralis, Lurker, Baneling et autres Zergling, la transition Broodlord inarrêtable, et donc la win, et donc le 2-2, et donc 15 games en 3-BO5, la garantie Funka bien sûr. Ouais non, la Funkakers qui continue bien sûr, mais c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage cette game, je pense que Time était franchement pas si mal, mais DRG ça fait quand même plaisir de voir qu'il est pas resté buté sur son truc non plus, quoi, en réalisant que ça ne snowballait pas, qu'il soit allé chercher une technologie différente et même qu'il ait refait des lurkers, hein, parce que bon, il a perdu très rapidement les premiers lurkers et dans la game 1, après avoir perdu ses premiers lurkers, il n'en avait jamais refait. Là on a varié les unités, là on a varié les compositions, on a avancé de manière réelle et on a fini par pouvoir porter un coup de grâce bénéficiant aussi des erreurs de son adversaire. On va arriver sur Blackburn, une map où ça va se couper en deux. Je trouverais ça étonnant de voir Time jouer mecha, hein. C'est très très rare déjà de manière générale, mais encore plus de la part de Time, hein. J'ai pas l'impression de le voir très souvent favoriser ce genre de style de jeu. Maintenant, est-ce que ça lui permettra de mieux camper qu'il n'a pu le faire sur Berlingrad ou sur Connexion? En vrai, s'il a prac un mecha à la Maru, c'est l'heure de le sortir, hein, sur Blackburn. Je pense pas non plus, enfin tu vois, c'est pas, je me dis pas il y a une probabilité élevée qu'il le fasse, mais je pense que c'est pas non plus zéro, parce que Maru nous a montré en TVZ qu'il était capable de produire de très 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 belles bonnes games avec Mecha, dans un style de jeu un peu campy, ce qui a l'air d'être un petit peu le style de enfin en tout cas une des possibilités de style late game de Time.
On aura vu en fait deux late game perdus et deux mid game dominés, enfin deux early game dominés pour une fin en mid game. Il montre un peu de variété dans son jeu, même si moins la game dure, plus il est à même de gagner. Si on se retrouve dans une situation de split map, je pense qu'il serait peut-être plus adapté d'aller chercher un gros méca des familles avec un potentiel timing 3-3 comme Maru nous l'avait montré. On va voir si ça va être le choix de cet homme, puisqu'il est pas loin d'un très très beau résultat pour cette demi-finale, pour passer en demi-finale de la DreamHack Last Chance. Il s'agit pour la Chine et donc la Foreigny en bas à droite de KZ Gaming Time. De l'autre côté de la map, du côté des oppresseurs coréens, bien sûr, oppresseurs de la scène e-sport StarCraft 2. Il s'agit bien sûr de DRG, également représentant de l'époque où leur domination était incontestable. Ici, nettement plus contesté dans l'ensemble, même si sur cette DreamHack Last Chance, c'est bien effectivement Time est le dernier foreigner, le dernier représentant de l'extérieur de la Corée. Puisque c'est bien cela que cela désigne le terme de foreigner sur StarCraft 2, et même probablement sur League of Legends, j'imagine que c'est pareil. Yes, brackets on Liquipedia Welrix. As always, il y a déjà quelqu'un qui lui a mis point d'exclamation DH. Of StarCraft 2, you can have a bracket for everything on Liquipedia. Have you heard about Liquipedia? It's a site with plein d'avantages. Nice. Encore un BO5 tight, effectivement. BO5 tight jusqu'au bout. Les petits potes. On verra si ce sera le cas également entre Dark et Maru, qui sera notre dernière série qui aura lieu juste après. Ouais, voyons ce que va proposer Time. Je pense qu'il est le joueur qui détermine un petit peu la manière dont la série est jouée. Dans ses variantes avec Elbat Push 3cc, Elbat Push sur 2cc, Marine Drop sur 3cc, il aura été le joueur qui a le plus modifié son jeu. Quand en fait, on a un DRG qui, par essence, essaye de jouer un double upgrade into lurker, assez populaire, assez méta. Même si on l'a revu jouer Mutalisk hein, dans la game numéro 3, ouais. Probablement pour essayer de reprendre pied dans une game dans laquelle il était dominé. Mais cette strat n'aura pas eu d'impact. Non, il aura pas réussi malgré tout hein, à faire la différence. C'est... Il avait pris trop de dégâts économiques à mon avis pour que le choix soit vraiment pertinent. Il a été peut-être un petit peu trop optimiste sur sa capacité à reprendre le contrôle de seconde économie dans cette game sur Atmosphère 2000. On verra ce qu'il en est sur Blackburn, mais bon, les mutas souffrent assez rapidement sur Blackburn des zones de ralentissement, mine de rien. Sur pas mal d'angles qui seraient intéressants pour eux, eh bien, ils souffrent des zones de ralentissement et aussi eh bien, de l'étroitesse de la map hein, sur les angles d'attaque au sol, qui fait que il y a quand même peu de possibilités de foncer vers la B1, vers les moyens de production, et c'est souvent là que les mutas sont le plus pertinents. C'est soit dans des lignes de minerais, soit en train d'intercepter ce qui sort tout juste des racks du joueur Terran, et ça devient vite compliqué quand tu dois soit passer par des zones de ralentissement, soit passer au-dessus de tourelles, de torts, de mines qui peuvent se trouver sur les autres angles d'accès. Right. C'est quoi du M. Et à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui, bien sûr, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un musicien au troisième. Je crois qu'il y a un guitariste. Ouais, j'entends. Ta voisine, t'avais pas dit ouais, qu'il y en avait un Il me semble quand on a déménagé, ta voisine Aurélie avait dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la musique dans l'immeuble. Ah bah voilà, bah ça doit être ça. Je l'entends pour la première fois. Incroyable. À quand faire les jam sessions jam, en fait. Bah ouais. Incroyable. Entre deux streams, petite jam session avec le voisin, puis bientôt une chaîne Twitch qui s'appellera Le Voisin de Funka, qui se lancera dans les streams musique. Ouais. Et qui fera 2000 viewers en 2 semaines. Ouais, il payera ses royalties hein. Moi ça me va hein. Bien sûr. Ah bah tu deviens agent de talent instantanément. Je fais le stream pour la thune hein, pas pour voilà. Enfin tu vois, le viewership peut être chez moi ou chez quelqu'un d'autre, tant que c'est moi qui récupère les sous au final. Je suis content. Tu sais, tu lui set up sa chaîne Twitch et puis tu mets tes coordonnées bancaires dessus. Let's go. Ouais, je vais t'aider, ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, ouais. Non, y'a pas d'argent dessus, mais par contre. Voilà. On a découvert hier, avant-hier avec Coca que on avait fait des sous avec les raps sur Spotify. Ouais. Ah ouais? Ouais, 2000 euros.
pas du tout. Mais un petit billet, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc continuez d'aller écouter Funky à la coque sur Spotify. C'est une manière pour nous de générer des sous et notamment peut-être de réinvestir cet argent dans des projets un peu cool. Donc voilà, si jamais vous écoutez le morceau, n'hésitez pas à aller checker ça sur Spotify. Mettez-le dans vos playlists. Écoutez-le en repeat. Parce qu'il y a vraiment de l'argent. Parce que je le diffuse en stream et tout, sur mon stream, c'est affiché en permanence. Il y a même les liens qui sont donnés vers les musiques de Funky et la Coke. Ah, ça fait plaisir. Je m'attends à 15% sur chacun de vos revenus. Ouais, d'accord, ouais. Ouais. Sinon, nous, on va signaler ta chaîne et dire que tu utilises du contenu copyrighté. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Vous l'avez mis à la SACEM? Je crois pas, non. Ils sont déclarés, les sons. Sinon, on toucherait pas de sous-dessus. Bah ouais, sinon, incroyable. On toucherait pas de sous-dessus. Pas au champ. Ah ouais, d'accord. Bah, tout doux, en fait. Bah alors. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Tu te mets de la musique comme ça au milieu du casque, tranquille? Ouais, ça va, je te dérange pas? Bah non, en vrai, ça va. Je préfère quand tu me racontes. Cool, j'étais un peu inquiet, du coup, ça me rassure. Non, on prendra rien, pas un seul shot de Elion, mais un Viking qui a pris une crypt tumeur et qui deny le mining sur la gold aussi en parallèle. Je pense qu'on attend qu'une chose, hein, c'est que des Erlings tentent de le dégager et on les croquera avec les Elions. Du coup, pour l'instant, on se contente de répandre le crypt qui permettra au Queen de se joindre à la mêlée et de dire à ce Viking, get the riggedy fuck out of here! Même chef, ouais, on va aussi le faire depuis l'autre côté du minerai gold. Et le double drop B1 qui va trouver une position assez intéressante là-dessus. Il n'y a pas assez de Zergling pour empêcher les marines de se regrouper. Le Libérateur Tessier GB2 et semblerait-il n'a pas été vu par DRG qui ne le gère pas pour le moment. Et l'agression en trident avec le run-by de Elion qui fait un carnage sur la B3. Il est en train de faire la div time. 21 drones et ça va continuer de monter. Non, le shot qui part dans les queens, attention, 28 drones, 29 drones et beaucoup de Zergling alors que la gestion du Libérateur n'est toujours pas faite dans la B2. C'est une catastrophe pour DRG qui prend 30 workers de retard là-dessus. Mais en vrai, il est mort. Hein. Genre, il est juste il devrait mort. Mourir. Là, tu vas avoir un timing en follow-up. Alors, c'est dommage, j'ai perdu le mec. Mais t'as un timing en follow-up, un bouclé de combat. Et juste avec le gros trou à l'économie que tu vas avoir, enfin, même en même temps que tu dépenses toutes tes larves en drone et que du coup tu rétablis ton compte de drone, le timing, du coup, t'as pas d'unité pour le gérer. Du coup, t'es obligé de faire un peu d'unité ou de crever. Mais du coup, si tu fais un peu d'unité pour pas crever, bah, tu vas juste continuer d'avoir un énorme retard à l'économie alors qu'on est en train de faire le 4ème command center du côté de chez Time. Je suis très inquiet, hein, d'autant plus que bah, là, la population elle est déjà au milieu du terrain. Il y a beaucoup de tanks. On est attention, les tanks n'avaient pas siégé. C'est peut-être la bonne nouvelle du côté de chez DRG qui va peut-être finalement réussir à travailler de manière correcte avec du friendly fire notamment de la part des tanks. On se récupère finalement toute cette population. Bah, je sais pas pourquoi j'ai douté de DRG en fait. I don't know either. Parce qu'effectivement la défense a été propre, faut payer le 2-2 pour Time. Pour maintenir son avantage dans cette game, il faudrait payer le 2-2, mais je sais pas s'il a l'armurerie. Est-ce qu'il a oublié son armurerie? Ce serait catastrophique. Et encore une fois, ouais, il a pas payé son armurerie. C'est dommage, parce qu'on aurait dû se maintenir à égalité d'upgrade quasiment dans cette game, voire avoir un potentiel avantage au vu du dégât économique infligé à l'adversaire. Mais c'est ici raté, DRG qui va venir défendre contre le Libérateur, mais il va perdre une queen là-dessus. Ah non, il y a une transfuse de disponible, vive la vie. Si on perd une queen quand même, on en perd même deux. Oh là là. Bonne nouvelle quand même. Deux plus accélération sur la B4 au nord, enfin sur la B5 pardon au nord, qui va être détruite. C'est très très bon ça. Ouais, malgré le setback qui s'est pris en perdant ses deux tanks tout à l'heure, il lâche pas le morceau. Oh, il la tue pas ? De connection de Dane. C'est vraiment dommage, ça c'est encore une fois une belle défense de la part de DRG qui s'en sort bien là-dessus et qui va récupérer un nouveau tank. On split les marines en les drop en on the go et désormais on se bat quasiment que contre des Zerglings, mais des Zerglings à égalité top grade et qui vont bientôt avoir une avance car l'armurerie va tout juste se terminer. Et si on ne lance pas un certainement le 2, et bien cette avance sur les upgrades du joueur Zac va juste être extrêmement prolongée. Mais bon kiting ici, bon kiting, bon positionnement. Très bon train contre les Zerglings de la part de Time qui récupère également un dernier penling avant de se casser et surtout de rejoindre ses renforts, des renforts pour l'instant où il n'y a qu'un seul tank par le tank, alors qu'on a une deuxième factory qui est du coup consacrée à produire des mines. DRG n'est vivant dans cette game que par ses mécaniques qui sont très très bonnes, avec notamment des des injections qui restent très très bonnes dans la partie alors qu'il est sous pression, et ce creep spread qui empêche en fait depuis tout à l'heure à Time de prendre des positions réellement impactantes sur le milieu de carte puisque la vision est maintenue en permanence. Attention à cette fight pour DRG qui fight sans upgrade d'avance sur cette séquence de jeu et qui du coup se retrouvera pilonné hein, par des tanks et des marines en grande quantité. Le run by qui est bien géré, le positionnement dans le wall, bien joué Time et la ligne qui cartonne là-dessus. Mais par contre la fight pendant ce temps-là en frontal, est-ce qu'elle est bonne? Non, oui, le spread est bon et Time qui fait la diff ici, qui reprend un 20 supply d'avance là-dessus.
Alors attention, hein, la fight a fini par être bonne en effet, mais on se fait supprimer systématiquement les tanks et les mines. Les mines d'ailleurs qui n'ont pour l'instant pas rejoint les fights principales, elles ont été utilisées défensivement. Bon, par contre, elles arrivent quand même à récupérer énormément de creeps, ce qui va être une excellente nouvelle quand on arrivera finalement à glisser des mines et des tanks dans l'équation. Oh, le target fire! Qui s'est attrapé, des Benley qui s'est attrapé! C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à prendre le dernier, on a été obligé de pick up pour éviter, pour limiter la casse sur cette séquence là. Mais rappelons aussi qu'en parallèle, la B-Gold a été posée, une B5 également est en cours de préparation. Si on ne prend pas trop de dégâts sur la Gold, on devrait s'en sortir, mais je m'attendrai à ce que les Aglings devinent des Bane. La réponse est non. DRG qui préfère peut-être foncer vers le CC en cours de production. Ouais, allez, 2-2 contre 1. Là, ça va être des fights qui vont être un petit peu plus favorables à DRG, notamment le fait que les Banings seront probablement pas snipés avant d'arriver au corps à corps. Il va falloir un spread de manière efficace du côté de chez Time. Tu parlais de Banings, ils vont être faits d'ailleurs, mais vu dans la portée d'une tourelle de détection, il faut que DRG arrive à maintenir une pression sur son adversaire pour éviter que Time ne puisse prendre le temps d'aller chercher ses Banings en production au nord qu'on pourrait utiliser pour une destruction de la PF. Quoique les Banings qui reprennent position sur le côté gauche, vu, et donc pas envie de prendre la fight. Mais attention, le compte de Banings est très très élevé, le 2-2 n'est pas fini encore. Et Time qui met la pression sur la carte. Mais attention, hein, dès qu'on sera sur le creep, je pense qu'on n'a juste pas assez de dégâts de zone pour ne pas encaisser de trop trop grosses détonations de Baneling. Et ça en parle pas mal dans le chat. Pas de transition quand même du côté de chez DRG. À aucun moment il s'est senti à même de payer une hive ou quoi, hein. Il a quand même fait sa fosse d'infestation et son Hydraizen, mais effectivement pas encore la hive. Du coup, bah, dans les deux cas, ces technologies ne seront pas suffisantes pour avancer dans la partie, mais il a absolument besoin de son tir 3 qu'il lance finalement, ainsi que les aiguillons fuselés. L'amélioration de portée des Hydralis, le Lurk Arden également embrayé. Voilà, cette transition, elle a commencé. On a estimé qu'on avait réussi à stabiliser suffisamment longtemps pour se permettre cela. On va également avoir un gros rollback qui va partir direct sur la B5. La base n'est pas encore une PF, on peut la lever, on peut la sauver, ce n'est pas le cas de la Gold. Du coup, il faudra faire attention à ça, alors que Time ne s'oublie pas sur le multitask avec un libérateur qui fait du harcèlement, mais effectivement qui a l'air d'oublier son 3-3. Ah, il suffisait de le dire pour qu'il le lance, le joueur chinois qui ne s'oublie pas et qui a peut-être une opportunité ici d'aller chercher une des légendes de Starcraft 2 en BO5 sur une compétition majeure face à DRG. Le multitask ici très bien encaissé de la part de Time, très bien fait avec une mine qui connecte XXL et un spread de Marine et de Marauder qui font que les Banings n'auront pas généré beaucoup de dégâts. Avantage de supply général du côté de chez Time avec un plus 10 qui se met en place, mais surtout un plus 20 d'army supply qui sera bientôt exploitable tant que le creep peut être repoussé. C'est un nouveau scan ultra important. Et cette mine, mec, mais elle a combien de kills? Montre-nous, quoi. 42 kills sur cette mine qui fait un taf pas possible depuis tout à l'heure. Ah, dommage, ces mines qui étaient un petit peu stackées. Du coup, on va sacrifier des Banes pour les récupérer et limiter la casse sur les Airlings qui partaient en retraite. Ici, l'agression au nord également qui est en train de commencer. On va se retrouver sur le creep. On commence à bien splitter, c'est bien. Mais encore une fois, ça manque de dégâts de zone. Un seul tank par un seul tank, pas de mine avec cette population. On peut donc pas vraiment espérer pousser au travers du creep de son adversaire. Alors qu'on doit également gérer cette agression qui continue du côté de chez DRG et qu'on se fait peut-être nettoyer par les premiers Hydralis. La mine qui va retaper. La mine MVP. Oh mon dieu, oh, là. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais on passe à 51 kills hein, quand même sur cette random mine à 12 HP qui s'en sort. C'est assez grandiose. On ralentit quand même le flow de la partie hein, du côté de chez Time. Est-ce que c'est réellement à son avantage? Tu me diras, en même temps, DRG 83 drones depuis tout à l'heure et à peine B5. Enfin, il a sécurisé B5, B6 en parallèle, mais ça fait peu de temps en fait qu'il est réellement en train de dominer sur ses bases. D'ailleurs, on multiplie les scans pour le savoir, pour considérer un petit peu la position économique de son adversaire du côté de chez Time intelligemment. On doit savoir à quoi on fait face pour savoir quel genre de fight on a envie de prendre. Et ici, la concave est magistrale du côté du joueur Terran, le Zer qui n'est pas en reste, qui arrive avec énormément d'hydralisques, de Lings et de Baneling, mais on encaisse tout ça et les deux dernières mines font des connexions magistrales, plus 32 pop à la sortie de cette fight, alors que toujours aucun lurker n'a pris place sur la carte. Ça y est, les trois premiers qui viennent d'être morphés, on ajoute des Vipers, on va chercher également les griffes falciformes, mais il manque tellement de détection depuis le début. Le bon DRG, encore une fois, il a énormément de mal à déminer là sur le terrain. Oh, et c'est les concours de lurker qui se font cancel. Ouais, c'est bien pour le bon time. Heureusement là le sol blanc a aidé à avoir les cratères au sol, donc on a pu quand même se débarrasser de quelques mines, même si on n'avait pas de vigilant. Alors qu'au milieu de la map, on va pousser sur le creep, on pourrait réussir à prendre une position aussi assez intéressante ici hein. Faut rappeler que les rochers de time n'ont pas été brisés, ils pourraient commencer à réussir à installer une tête de pont, mais pour ça il faudrait aussi réussir à miner des ressources. Et le lurker derrière sa gold l'en empêche assez largement. Il a besoin de cette gold pour continuer à avancer dans la partie, pour continuer à exister, malgré le fait qu'on est également en train de prendre la base au sud qui va être intéressante à terme. Mais on a besoin de tout les ressources possibles pour produire une armée compétitive face à un DRG qui finit par avoir des lurkers très améliorés cette fois-ci avec les griffes falciformes avant la fight. Oh, la les mines. Oh, les mines et les deux tanks là, la combinaison des deux qui fait que ce passage dans cette zone de ralentissement était une très 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 mauvaise idée du côté de chez DRG qui essaye d'expandre au nord pendant ce temps là parce qu'il se rend bien compte que la partie sud de la carte commence à être perdue. Il va y avoir aussi un beau snipe qui va être fait, un lurker de plus qui se fait récupérer et la riprod de time qui prend position. On est sur de la bio 3-3 qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Chaque
trade est de moins en moins rentable pour le joueur coréen Zerg qui doit enchaîner de multiples Baneling pour se débarrasser de quoi que ce soit. On utilise une bombe parasitaire sur des Medivac, mais ça ne suffira pas même si celles-ci font des dégâts colossaux. On a perdu 3 Medivac, presque 4. On réduit encore une fois l'écart de pop, mais c'est une base qui vient de tomber, une base qu'on ne peut pas vraiment se permettre d'abandonner à l'adversaire. Très bien joué Time, qui est ultra solide depuis tout à l'heure, alors que il y a littéralement toutes les situations possibles dans cette game pour qu'il y ait dérapage. Il y a du multitask de la part de DRG, il y a hélas pas le bureau. Je pense que le bureau serait une très très bonne idée aussi, même si maintenant c'est un peu tard vu qu'on est sur des combinaisons tank, maraudeur, ghost qui sont moins vulnérables au winning trap. Ça joue excessivement bien. Attention à Time quand même, c'est bon, il a géré la menace B5, donc il peut se remettre à miner, mais il y a un petit trou dans l'incom du joueur Terran chinois là, je trouve, qui a du mal à produire et à remonter à 200 de pop. Il y a probablement pas eu beaucoup de mules qui ont été envoyées ou des SV qui n'ont pas été bien transférés. Les mines qui s'enterrent, peut-être une nouvelle connexion magistrale, ça ne sera un non. Le split est bon de la part de DRG. La mine MVP, la fameuse, à 51 kills, à 51, et on parle pas de la zone au Nevada, bien sûr. Un engagement pour l'instant là sur la gueule. Alors qu'un néanmoins qui devrait permettre de stabiliser, même si de nombreux d'entre eux meurent. Une MP également sur l'une des Viper, l'autre qui va dépenser toute son énergie en un Blinding Cloud et un hook des mines également pour couvrir la retraite des Medivac. DRG qui est tout simplement malmené par son jeune rival chinois. C'est déjà ultra louable que DRG existe encore dans cette game, parce que franchement il est sous pression depuis une grosse demi-douzaine de minutes, je dirais, dans cette partie, depuis la dixième minute de jeu. On est pourtant dans les cordes et pourtant on existe et on a même le temps et la précision d'aller chercher une contre-attaque et de limiter un petit peu l'économie adverse. Mais Time qui est en train de compléter une armée qui est tellement impactante, un lurker de plus qui se fait sniper, une progression sur le côté gauche avec le rajout de tourelles dont je suis méga fan, qui vont empêcher les Vipers de s'approcher trop précisément face à l'armée. Et encore une fois, je sais pas s'il peut prendre une fight rentable là-dessus, Time. DRG, il peut pas. Il vient d'empaler deux lurkers là-dessus. Le troisième qui va tomber d'ici quelques instants. Les tanks qui ne sont pas touchés. Les tourelles encore en place qui vont pilonner sur les overseers. Et les ghosts qui arrivent avec leur cloak et qui multiplient les snipes. Et il est en train de tomber, DRG. Time qui va le faire. Time qui va se propulser en demi-finale. GG là-dessus. Excellente série des deux joueurs. Et TVZ très très excitant entre les deux. Mais c'est bel et bien le joueur chinois, le dernier foreigner, qui va obtenir une place en top 4. Hein. Très très bien joué de la part de Time là-dessus. Et oui, très bonne série dans l'ensemble, avec vraiment des rebondissements, beaucoup d'émotions, les deux joueurs qui ont réussi à nous fournir de la variété de jeu. Et un DRG peut-être qu'on pourrait regretter comme étant trop bourrin presque, notamment sur la game sur connexion. Alors il finit par l'emporter, mais on imagine que s'il avait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de finesse sur les parties qu'il a remportées, peut-être que sur les parties où il a perdu, un supplément de finesse aurait été disponible aussi, permettant peut-être de renverser la vapeur. Non pas qu'on le souhaite, c'est juste dommage pour lui, puisque ici il laisse la place à Time dans les demi-finales de cette DreamHack Last Chance. On verra du coup Time jouer demain contre le gagnant d'un match qui va aussi voir deux monstres s'affronter, Dark et Maru, dans un TVZ des plus énervé, dans lequel aucun des deux n'aura peur d'aller au very late game. On verra si c'est le scénario auquel on a le droit. En tous les cas, ça sera après une page de pub toujours un petit peu longue, les pages de pub sur la DreamHack. Mais restez avec nous pour ce match qui s'annonce d'anthologie entre Maru et Dark. On vous rappelle également que vous pouvez aller soutenir la sortie d'un documentaire sur StarCraft 2 et en particulier sur Clem via un crowdfunding. Il a déjà été validé, le documentaire va sortir quoi qu'il arrive, mais il y a des paliers supplémentaires. On vous invite à aller explorer ça sur le point d'exclamation crowdfunding, et on se dit à tout à l'heure. À tout de suite les potes.